Vous allez constater, peuple de Dieu, que le Seigneur a révélé presque les mêmes choses à plusieurs personnes. Le Seigneur a révélé presque les mêmes choses à plusieurs personnes. Le Seigneur a montré son trône à plusieurs personnes. Quand vous allez réécouter ce témoignage, c'est un grand archive. Hein? Ce témoignage-là, c'est des choses que le Seigneur va utiliser même pour juger l'humanité, pour dire, je me suis révélé à vous en cette dernière génération pour vous donner de signes que voilà la voie à emprunter pour vous préparer pour mon avènement, mais vous avez ignoré. Plusieurs incrédules n'auront plus d'excuses parce que vous regardez, on a écouté une cinquantaine de témoignages et des vingtaines ont abordé les mêmes sujets. Nous ne pouvons pas faire un montage pour faire dire à tous ceux-là de nous envoyer ces choses qui veulent dire les mêmes choses alors qu'ils ne sont pas dans les mêmes endroits, ils ne sont pas dans les mêmes pays. Ce qui veut dire que le Seigneur a parlé. Regarde, la dernière qu'on vient d'écouter ressemble encore au premier qu'on a écouté. Les mêmes visions, les mêmes révélations, les mêmes signes. Plusieurs ont vu le trône de Dieu. Plusieurs ont vu les anges. Plusieurs ont vu le feu. Plusieurs ont vu la couronne que le Seigneur a déposée sur la tête des serviteurs. Et même de ses brebis, plusieurs ont vu comment le Seigneur a marqué ses enfants. Plusieurs ont vu comment les anges descendent au milieu des chants pour chanter, pour animer le groupe de chants. Plusieurs ont vu comment le Seigneur lui-même, il monte sur la chair, il s'assoit sur la chair pour conduire les choses. Plusieurs ont vu les mêmes choses. Donc, c'est les signes, le Seigneur dit, ce réveil, c'est le dernier signe que j'envoie sur la terre. Nous ne disons pas que nous sommes les seuls qui parlent de Jésus sur la terre. Mais nous ne disons que ce que le Seigneur nous a dit. Le dernier signe que j'envoie sur la terre. Et dans ce signe, vous avez tous les ingrédients qu'il faut pour édifier votre âme, pour nourrir votre âme, pour restaurer votre âme, pour guérir votre âme, pour délivrer votre âme et pour que vous soyez en sécurité. Et ça signe, il y a la sainte doctrine. Vous n'allez pas voir de mouvement comme ça qui crie la sainte doctrine, sainte doctrine, sainte doctrine, sainte doctrine. Vous n'allez pas voir, c'est un peu rare. Mais, par ce réveil, vous êtes maintenant habitué à l'expression sainte doctrine. Gloire à Jésus. Par ce réveil, ce que vous n'avez pas l'habitude d'entendre, sanctification, 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 sainteté, sainteté, sainteté. Vous êtes maintenant habitué à ces expressions bibliques, spirituelles. Donc, c'est les signes que le Seigneur a montré. Il y a beaucoup d'églises qui se font appeler églises évangéliques. Mais combien d'églises vous avez trouvé aujourd'hui qui ont mis l'évangélisation sur la tête comme le groupe Jésus revient? Vous n'allez pas beaucoup trouver. Il y a beaucoup qui sont appelés église évangélique, ministère évangélique, mais qui
organise rarement des sorties d'évangélisation. Et quand certaines même organisent des croisades, des pseudo-croisades, ils vont faire cotiser les brebis pour escroquer encore les brebis. Et quand ils font ces croisades-là, à peine vous allez trouver qu'ils vont gagner 5 âmes. Mais on fait budget de millions pour organiser croisades. Mais nous, régulièrement, on est dans l'évangélisation. C'est notre leitmotiv. Alléluia. C'est notre essence. Donc tout ça, c'est pour vous parler. Si vous avez le discernement, ne nous regardez pas. Je vous demande pardon. Ne nous considérez pas. Mais considérez le Seigneur Jésus-Christ que nous portons. Regardez les fruits que nous portons pour que ça vous parle. Pour que vous sachiez que si vous êtes dans ce réveil, c'est un miracle pour vous. Et c'est une grâce. Et vous devez tout faire pour faire connaître aussi ce réveil à d'autres personnes. Témoigner, partager à d'autres personnes. Venez voir. Venez voir. Alléluia. Venez voir le Seigneur Jésus. Il est là, il est dedans. Quel que soit tout ce que les gens vont écrire sur les réseaux sociaux contre le groupe Jésus revient là. Alléluia. Le Seigneur a démontré que c'est lui qui tient ce feu en main et personne ne peut l'éteindre. Les hommes peuvent dire que on est faux ou on est ci, on est ça. Mais Jésus-Christ a dit, nous sommes vrais. Donc c'est ce que Jésus a dit que nous on entend. Donc quel que soit les mouvements qui vont naître, qui vont faire ci, qui vont faire ça, ou qui vont tirer contre nous, nous sommes en paix. Parce que nous n'avons signé contrat avec aucun autre. Nous avons fait alliance avec Jésus-Christ de Nazareth. Et nous tenons dans cette alliance. Et nous allons demeurer. Regardez. Quand nous avons commencé, les mêmes que vous voyez, nous sommes toujours les mêmes. Nous sommes toujours les mêmes. C'est un signe que le Seigneur nous a donné l'esprit de fidélité. Quand on parle de Jésus, on doit voir la fidélité. On ne peut pas parler de la sainte doctrine sans marcher dans la fidélité. Alléluia. Depuis 2020, les mêmes têtes que vous voyez, les mêmes têtes sont là. Et nous marchons ensemble. Et nous allons continuer la marche ensemble. Il n'y a pas quelque chose que Satan va utiliser pour nous diviser. Pour nous diviser, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il ne réussira pas. Alléluia. Il ne réussira pas. Donc ce sont des signes que nous vous donnons. Si c'est l'intérêt personnel qui nous a réunis, il y a longtemps même, on est déjà cassé. Alléluia. Si c'est l'intérêt qui nous gouverne, il y a longtemps, on est déjà cassé. Quelqu'un va se lever pour dire non, ah, moi je ne sais pas si je... Et c'est fini. Alléluia. Mais nous ne sommes pas motivés par les intérêts de la chair. Mais nous sommes motivés par l'intérêt de Jésus-Christ. Si Jésus gagne, c'est nous qui gagnons. C'est pour ça que
tout ce que le Seigneur met à notre disposition, nous investissons pour son église et pour ses brebis, pour l'édification de son église. C'est des signes. Parce que la parole dit, vous reconnaîtrez un arbre par ses fruits. Alléluia. Par ses fruits. Donc ce sont les fruits que nous portons que vous devez regarder pour témoigner que non, ceux-là, Jésus-Christ est avec eux. Donc tout ce que vous venez d'entendre, ne négligez pas. Gravez ça dans vos cœurs. Et même si vous téléchargez même et gardez ça en archive. Et réécoutez. Réécoutez. Alléluia. Réécoutez. Si des gens donnent des révélations pour cogner, pour déchirer la sainte doctrine, tout ce que vous avez écouté ici, est-ce que quelque chose a cogné la sainte doctrine? Non. Parce que la semence est pure. Si la semence est pure, ce que ça va pousser, ce que ça va sortir, ce sera pur. Ce sera pur. Est-ce que dans les révélations, vous avez entendu quelque part que on a vu des femmes monter sur la chair en train de prêcher? Vous n'allez pas entendre ça dans ces révélations. Parce que les brebis n'ont pas reçu des semences impures. Quand vous recevez des semences impures, des semences corrompues, ça va générer en vous des fruits corrompus, des révélations corrompues, des prophéties corrompues. Mais quand la semence qui est semée en vous est pure, ça va porter des fruits purs. Des fruits bibliques. Et c'est ce que le Seigneur est en train de faire. Donc, peuple de Dieu, le Seigneur vous aime tellement. Il vous aime tellement qu'il ne sait plus qu'est-ce qu'il va vous montrer pour vous témoigner, pour vous démontrer que c'est lui. Dommage qu'il ne peut plus descendre physiquement. Alléluia. Il ne peut plus descendre physiquement. Même s'il le fait, les gens vont encore. Les gens vont encore critiquer. Des gens vont encore dire non, c'est faux. Oui, c'est pour ça qu'il ne veut même pas perdre encore son temps pour descendre physiquement. Pour se montrer, pour dire, je suis à Jésus, reviens. Il est déjà descendu en esprit. Et ceux qui se concentrent vont le voir de plusieurs manières. Il va leur parler. Alléluia. Il va leur parler. Nous ne cherchons pas notre gloire. Nous ne cherchons pas de vaine gloire. Même des révélations dans lesquelles vous avez vu chacun de nous, nous mettons tout ça là pour la gloire de Jésus. Ce n'est pas nous. Le Seigneur utilise pour la plupart l'image de ses serviteurs qu'il a oint, qu'il a consacré et qu'il utilise. Ça lui plaît aussi d'utiliser leur image. Parce que c'est son esprit qui nous utilise. Il utilise nos images pour vous parler. Donc, ce n'est pas Jean Gratien qui est allé à la croix pour vous. Et je ne pourrai jamais le faire. Je n'ai pas cette force. Alléluia. Celui qui peut le faire, il l'a déjà fait pour nous. Et c'est Jésus-Christ. Et c'est ce Jésus seul que nous vous présentons. Ne nous regardez pas. Alléluia. Nous n'acceptons même pas que quelqu'un s'agenouille devant nous pour nous saluer. Alléluia. Nous sommes des frères et des sœurs dans le Seigneur. Nous avons un seul Père qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est notre Papa. C'est notre Dieu. C'est notre Seigneur. C'est notre Rédempteur. C'est lui seul. Donc, tout ce qui se passe à Jésus revient se repose sur un seul nom qui s'appelle Jésus-Christ. C'est ce nom que nous sommes mandatés à présenter au monde entier.
à ce monde qui est perdu. C'est ce nom que nous voulons présenter à cette génération pour les sortir des ténèbres, pour les amener à la lumière. Cette lumière brillante qui est le feu de réveil qui s'est allumé au Bénin et qui est en train de se propager partout sur la terre. Je vous dis la vérité. Nous avons été beaucoup combattus, mais nous travaillons maintenant dans la victoire. Et les choses anciennes sont passées. Et toutes choses deviennent nouvelles dans ce réveil. Toutes choses deviennent nouvelles dans ce réveil. Et nous n'allons pas démissionner. Il n'y a pas quelque chose qui va nous décourager. Il n'y a pas quelque chose qui va nous faire reculer. Nous sommes résolument engagés, déterminés. Et nous vous exhortons aussi à avoir la même détermination. Ne pas fléchir. Alléluia. Ne pas fléchir. Le prochain programme qu'on va organiser sera encore plus glorieux. Oui, sera encore plus glorieux. Parce que nous avons compris maintenant notre Seigneur ce qu'il veut de nous. Il veut que nous passions plus de temps dans sa présence. Et il va nous amener dans la dimension glorieuse. Alléluia. Donc, peuple de Dieu, restez concentrés. Regardez, je vous dis, quand vous fouillez les anciens témoignages, le Seigneur a parlé à plusieurs. Le Seigneur s'est révélé à plusieurs. Dans ce réveil, à Jésus revient. Mais certains de ceux-là qui ont reçu des révélations authentiques de la part du Seigneur, malheureusement, certains d'eux ne sont plus même ici. Ils sont déjà égarés par des vents de fausses doctrines, égarés par des vents de mouvements de tomber-tomber. Mouvement de tomber-tomber ne peut pas vous amener au ciel. Mais c'est la vérité qui peut vous conduire au ciel. Je vous dis la vérité. D'autres sont égarés par des mouvements de semblant de sainteté. Je vous dis, la sainteté, ce n'est pas seulement le dépouillement, c'est au-delà. La sainteté, c'est le dépouillement, c'est un petit point dans la sainte doctrine. Il y a encore d'autres points importants. Et l'un des plus grands points de la sainte doctrine, c'est l'amour. Regardez tous ces mouvements qui parlent de réveil ou bien de dépouillement ou bien de sainte doctrine. Regardez les fruits qu'ils portent. Est-ce qu'il y a de l'amour là? Est-ce qu'il y a de l'amour? Hein? Est-ce qu'il y a de l'amour? Pesez pour voir. L'un des piliers de la sainte doctrine, il y a l'amour. L'amour est le premier pilier. Parce que le Dieu que nous prêchons, il est Dieu d'amour. Donc l'amour est le premier pilier de la sainte doctrine. Le deuxième pilier de la sainte doctrine, c'est la sainteté. Voilà. Le deuxième pilier de la sainte doctrine, la sainteté, corps, âme et esprit. Voilà. Troisième pilier, l'adoration en esprit et en vérité. Voilà les piliers de la sainte doctrine. Donc si on enlève un, des gens qui parlent de sainte doctrine, mais quand vous les mettez debout, vous voyez les fruits qu'ils portent, ils ont la haine. Ils ont la haine, la rage contre leur vis-à-vis, la jalousie contre leur vis-à-vis. Et vous les suivez, mais vous êtes remplis de leur semence. Vous êtes remplis de leur semence. Ils n'ont pas l'esprit de pardon et ils vous parlent de sainte doctrine. Vous êtes remplis de leur semence. Vous êtes remplis de leur semence. Et vous devez prier pour demander leur état spirituel. C'est très important. L'ennemi là, je vous dis, hein, il est capable de copier à 99% tout ce qui vient de Dieu.
photocopie là, le diable est très fort dedans. C'est pour ça qu'il a tout fait pour photocopier ce. Le groupe Jésus revient. Oui, il a photocopié ça pour vous séduire. Ayez le discernement. Je vous dis la vérité. Ayez le discernement. Le Seigneur vous a tout prouvé. Ayez maintenant le discernement. Et réveillez-vous. Portez des fruits. Dites de sainteté. Si c'est dans la sainteté que vous marchez. Je veux parler aussi à ceux qui mangent dans tous les plats. Non. Si tu manges dans tous les plats, je te dis, tu seras constipé. Je te dis la vérité. Tu ne peux pas manger dans tous les plats et vivre. Tu seras, ton ventre sera gonflé et tu vas ronger. Je vous dis la vérité. Si le Seigneur vous a dit, Jésus revient, le vrai, l'authentique, est dans la vérité, toujours avec moi. Qu'est-ce que tu vas aller encore faire sur la page des pasteurs stars, des pasteurs choco, qui vont déverser des semences de python? Non. Tu restes concentré et tu suis le mouvement. C'est pourquoi toute une semaine, il y a activité à Jésus revient. Toute une semaine, lundi, il y a programme. Mardi, il y a programme. Mercredi, programme. Jeudi, il y a programme. Vendredi, il y a programme. Aïe! Tu as déjà fini de manger tout ça? Tu as déjà digéré tout ça? Et tu veux encore maintenant aller goûter chez le voisin? Pour voir si pour lui là, c'est comment? Tu as goûté? Ah, je t'ai dit, si on goûte un peu de du malin, tu as tout pris. Hein? Oui, il ne pardonne pas. Donc, restez là où la semence est pure, la nourriture est pure et ça coule directement du ciel. Ce que nous prêchons là, on n'est pas allé apprendre ça dans une école. Personne de nous ici n'a mis pied dans une école théologique pastorale. Mais regardez, le Seigneur, le nombre de brebis que le Seigneur a mis à notre disposition aujourd'hui. Et nous dirigeons et il témoigne de sa fierté à notre endroit. Que toute la gloire lui soit rendue. Donc tout ça là, si ça ne vous suffit pas, et vous voulez encore des prédications extraordinaires, hein? Des prédications extraordinaires, des révélations extraordinaires, qui déchire la sainte doctrine. Une révélation qui vous dit que l'apôtre Paul est sorti de tombe pour dire que voilà, femme peut prêcher. Et vous n'avez pas crié au scandale. Alors que lui-même dit que même si lui-même vient pour nous prêcher autre évangile, qu'il soit anathème. Et vous n'avez pas dit anathème sur lui en même temps. Lui-même a dit ça dans sa parole. Tout, écoutez, la parole de Dieu, tout est écrit. Et on a mis point final sur ça. Donc on n'a pas laissé une figure pour qu'une révélation viendra compléter. Non! On n'a pas laissé figure pour qu'une révélation de Python vienne compléter. La parole de Dieu, le Seigneur a fini et il a mis point pour notre édification, pour notre salut, l'essentiel qu'il faut. Donc tout ce qui viendra, prophétie, révélation, inspiration, tout ça, ça doit respecter ce qui est ici. Et non ajouter, et non diminuer. Je vous dis la vérité. Vous devez entendre ces choses. Parce que le Seigneur a trop souffert pour vous, pour nous. Il s'est trop donné.
il s'est trop donné. Il s'est trop donné. Je vous dis la vérité. Ton peuple de Dieu, on ne va plus continuer de gérer les problèmes de confusion. C'est pour ça que le Seigneur nous a encore donné cette recommandation de travailler encore avec vous. Qui va commencer le mercredi prochain. Toutes les églises, Jésus revient, doivent être connectées pour que demain, que cela soit témoignage contre les indélicats qui vont aller encore avaler les semences de Python. On va encore revisiter la sainte doctrine que le Seigneur nous a donnée. Préparez vos questions. C'est très, 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 très important. Je vous dis la vérité. Donc, les doctrines qui vous font croire que Jésus est déjà venu en esprit et qu'il est déjà venu et qu'on ne va plus espérer un autre retour de Jésus. Quand vous avalez ces semences, j'imagine comment vos âmes se présentent. Vos âmes se présentent. Des gens qui vous font croire que oui, chrétien peut amener sa femme en piscine. Il n'y a pas de problème. Vous allez faire quoi? Des doctrines qui vous font croire que la sanctification, que c'est un fardeau, que c'est un joug, que c'est une prison. Si cette prison, c'est écrit ici, moi j'accepte. Oui, c'est pourquoi, regardez, nous sommes tous jeunes. Nous avons encore le sang chaud dans nos veines qui coulent. Tout ce que l'apôtre Paul a souffert, nous aussi, nous souffrons aussi de ça. Mais nous avons crucifié la chair. Comme Jésus-Christ a crucifié, s'est crucifié pour nous, nous avons aussi crucifié la chair. Nous avons crucifié les plaisirs de ce monde, les délices de ce monde. Et nous avons accepté la prison de Jésus. J'accepte la prison de la sainte doctrine. Si la marche avec Jésus dans la sainteté, si c'est une prison, nous acceptons rester dans cette prison pour que nos âmes gagnent le ciel. Donc ceux qui vous font croire que ce qu'on vous prêche à Jésus revient, que c'est pour vous faire peser de joug, que c'est une prison, on n'a rien ajouté comme joug. Au contraire, si on remarque un joug qui vient de Python, on vous alerte pour dire ça, c'est un joug. Et le Seigneur certifie. C'est ce que nous pouvons faire. On ne peut pas faire autre chose. Parce que nous n'avons pas fait une école théologique. Nous sommes, écoutez, nous sommes blindés sur ça. Voilà. Ce qui est écrit ici, là. Nous sommes coincés sur ça. Si nous avons mal compris quelque chose, on invite le Saint-Esprit qui dit « Voici ». Et ça se passe en live pour votre salut. Désormais, quand je serai au portail du ciel et le Seigneur Jésus va me dire « Pourquoi tu n'as pas laissé les femmes de Jésus revenir monter sur la chair ?» J'ai de quoi lui présenter pour dire « Seigneur, voilà ». Je ne savais pas, mais je t'ai demandé, mais ton esprit a parlé. C'est comme ça. Si au portail du ciel, on me demande, Jean Gracien, pourquoi tu n'as pas permis à mes filles de s'habiller en ton unique? Je vais dire, Seigneur, je n'ai pas lu ça dans ton alliance. Maintenant, j'ai demandé à ton esprit,
Tu as parlé devant ton peuple. Les vidéos sont là. Alléluia. Parce que le Seigneur, tout ce qui est nouveau jour, il nous a enseigné tout ça. Regardez les mouvements dans lesquels on impose les temps unis. Vous allez voir que tous les hommes sont habillés en costume. Pourquoi? Notre Dieu n'est pas musulman pour imposer un joug aux femmes et laisser les hommes là. Pourquoi les mouvements qui imposent au temps uni là? Pourquoi les hommes ne s'habillent pas aussi en temps uni? Et ils sont en costume. Ils sont dans des habits normaux. Mais c'est les femmes. Non. Nous sommes conduits par l'esprit de sagesse. L'esprit de vérité. L'esprit d'amour de Dieu. Qui a mis chaque chose à sa place. Et il ne veut pas que quelqu'un soit méprisé. Quand il ne veut pas que les femmes se lèvent pour prêcher, pour diriger son église, je vous dis, tout ce que femme peut faire dans l'église là, si on enlève seulement diriger, enseigner dedans, il y a trop de choses dans lesquelles le Seigneur les utilise. Pourquoi les femmes ne vont pas courir derrière ces choses que la parole leur accorde, que le Seigneur leur accorde la grâce. Et il veut diriger l'église de Christ. Et Satan va susciter une nouvelle génération de faux docteurs pour les mettre devant. Et vous n'avez pas encore vu que c'est des derniers signes d'apostasie. Apôtre Paul pouvait crier, « Oh Galates, qui vous a aveuglé jusqu'à ce point ?» Apôtre Pierre allait crier au scandale. Quand il allait voir le désordre de l'église dans notre génération, il allait crier au scandale. Apôtre Paul allait déchirer son vêtement comme à Éphèse. Mais aujourd'hui, on acclame des femmes sur la chair en train de secouer leurs seins, en train de vibrer leur corps sur l'autel de Dieu pour posséder l'église de l'esprit d'impudicité, de l'esprit de masturbation, de l'esprit des pensées impures. Le Seigneur ne veut pas. Alléluia. Le Seigneur ne veut pas. Donc, peuple de Dieu, ne suivez pas les doctrines d'émotion. Ne suivez pas des doctrines de la pensée humaine. Mais suivez la doctrine biblique. Nous allons revenir sur ça dans la semaine. Des gens peuvent nous haïr. Des gens peuvent nous détester. Mais maintenant que j'ai compris que Jésus-Christ est toujours dans notre bac et que rien ne va nous détacher de son alliance, je ne regarde plus les hommes qui me détestent. Je ne regarde plus les hommes qui tirent contre moi. Mais je regarde à Jésus. Si je fais mal, il va me redresser. Il ne va pas me laisser tomber. Mais regardez pourquoi il a fait de ce réveil une équipe. C'est pour que un seul homme ne décide pas de toutes les orientations. Parce que l'homme est faillible. Il peut commettre erreur. Si les autres remarquent que je ne commence pas trop à me gonfler, le Seigneur va les utiliser pour me maîtriser, pour me casser. C'est ça. Mais si j'étais seul, même si je refuse n'importe comment, je vais finir par devenir un demi-dieu. Même les choses que je refusais, je vais commencer par les accepter petit à petit. Les hommes vont commencer par m'encenser. Je vais commencer par
désirer la gloire, Chanel. Et Satan aura mis la main sur moi. Mais comme nous sommes là, on se surveille. Si l'autre glisse un peu, on le ramène dans l'ordre. Et on sait comment le faire. C'est comme ça que nous fonctionnons. Et le Seigneur est très content. Alléluia. Je ne dirige pas seul le réveil. Mais le Seigneur m'a enseigné l'esprit de concertation. L'esprit de remise en cause. Et je me remets chaque fois en cause. Et c'est ça qui met les choses en équilibre. Et vous recevez les fruits que vous voyez. Donc bénissez le Seigneur. Ça ne se passe pas comme ça ailleurs. Ailleurs, c'est des demi-dieux. Des gens qui se prennent comme Dieu. C'est eux qui prennent toutes les décisions qu'ils veulent. Et ils s'imposent au peuple. Ils exercent sur le peuple la dictature. Quand ils sont même dans le pétaplein, il n'y a pas quelqu'un qui va oser pour leur dire attention, il y a pétaplein dans ton caleçon. Parce qu'ils sont des demi-dieux. Et dans ces églises, il faut que les prophéties chantent leur nom tous les dimanches. Non. Le Seigneur sait comment faire pour que ceux qui sont dans son alliance soient maintenus dans son alliance. Donc, peuple de Dieu, veillez sur vos âmes. Priez encore pour sonder tout ce qui se passe autour de vous. Si c'est Jésus-Christ qui est dedans là, vous allez voir le fruit. Prenez Galates 5, 22. Si vous ne voyez pas ce fruit, si vous ne voyez pas l'amour dans quelqu'un, mais qui vous parle de Jésus, vomissez-le. Si vous ne voyez pas la tempérance en quelqu'un et qui vous parle de Jésus, n'est pas arrivé. Si vous ne voyez pas la patience en quelqu'un qui vous parle de Jésus, vomissez-le. Si vous ne voyez pas quelqu'un défendre la paix, la Bible dit, recherchez la paix avec tous, même avec vos ennemis, recherchez la paix, même si c'est difficile. Si vous ne voyez pas quelqu'un défendre la paix, pardonnez son prochain. C'est des signes. Il peut délivrer le monde entier. Il peut guérir tous les paralytiques sur la terre. Il peut guérir. Il peut ressusciter tous les morts qui sont à la morgue. Mais Jésus a dit dans Matthieu 7, il va lui rappeler. Je vous dis la vérité. Je préfère que le fruit de l'esprit abonde en moi. Plutôt que de manifester des dons et de me retrouver en enfer. Manifestez d'abord le fruit de l'esprit. Et les dons vous seront utiles et seront utiles à vos âmes. Mais si vous manifestez des dons, mais les fruits ne sont pas dedans. Il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la patience, il n'y a pas le pardon, il n'y a pas la réconciliation, il n'y a pas la paix, il n'y a pas la joie, il n'y a pas la bonté, il n'y a pas la bienveillance. Mais vous tirez à bout portant contre tout ce qui bouge. Et vous dites que vous êtes au oin. Il y a beaucoup d'hommes oin qui sont en enfer. Je vous dis la vérité. Il y a beaucoup d'hommes oués qui sont en enfer. Parce que le Seigneur, il va regarder les fruits de son esprit. Si ces fruits ne sont pas en vous, ça veut dire que tout ce que vous avez fait, ça n'édifie pas votre propre âme pour vous amener au ciel. Donc, peuple de Dieu, je vous dis ces choses
pour que vous n'échappez pas à cette alliance si merveilleuse dans laquelle le Seigneur vous a mis pour vous équiper, pour vous préparer pour son avènement. L'ennemi fait croire à certains que on ne prie pas bien pour eux, qu'on ne fait pas bien leur délivrance. Comme si c'est nous qui faisons la délivrance. Non. Regardez tous ces témoignages. Et ce n'est pas fini. Ce n'est qu'une petite partie. Est-ce que c'est Jean Gratien qui peut parcourir ce monde entier pour faire ça? Des gens qui ont suivi même les choses en direct à la télé. Le Seigneur les a visités. Est-ce que c'est Jean Gratien qui les a visités? Non. Il faut que vous mettez d'abord votre foi. Mais lorsque l'ennemi commence par vous séduire, pour vous attirer, pour dire allons là-bas où? Je vous ai déjà dit, délivrance, ce n'est pas ça qui va vous conduire au ciel. Si vous ne connaissez pas l'onction qui prie pour vous. Je vous dis la vérité. Même aujourd'hui, dans les mosquées là, les gens ont commencé par faire délivrance. Je vais partager ces images, vous allez voir. Que même dans les mosquées, les gens ont commencé par faire mouvement de tomber. Pour vous dire que ce n'est pas ça qui peut vous sauver. La vraie délivrance d'abord, c'est la vérité. C'est la sainte doctrine. Quand vous étiez dans l'église catholique, est-ce que vous parlez de délivrance? Est-ce que vous parlez de délivrance à vos prêtres? Mais quand vous êtes venu dans la sainte doctrine, c'est là qu'on vous a enseigné l'importance de passer par la délivrance. Et tous les brebis qui viennent à Jésus reviennent. Dès le premier mois que tu viens à Jésus reviens, tu dois passer par la délivrance. Mais on le fait selon ce que le Seigneur nous a enseigné. Maintenant, si un autre mouvement vient pour dire que vous n'avez pas été délivré, posez-vous toutes les questions. Satan est rentré dans le jardin d'Éden et il a fait croire à Adam et Ève que Dieu les a menti, que Dieu les a trompés pour les avoir. Je vous dis, veillez sur vos âmes. Je vous dis, veillez sur vos âmes. Si vous restez à Jésus revient, vous ne générez pas quelque chose de particulier pour Jean Gratien. Mais ce que je veux pour vous, c'est que nous puissions tous nous retrouver au portail du ciel. Et on va se serrer les mains pour dire bienvenue à la maison. Ah, toi aussi tu es venu. Ah, Apollos, toi même tu es venu. Apollos, Paul. Ah, tu es venu. Voilà. Voilà. Mais tant que nous sommes encore derrière le portail ici, ah, tout c'est un combat. Tout est combat. Peuple de Dieu, voilà ce petit message que le Seigneur veut que je partage avec vous. En toute sincérité, votre âme est notre seule cible pour le Seigneur. Comment faire pour que nous gagnions tous le ciel? C'est notre cible, c'est notre objectif. Nous n'avons rien d'autre derrière la tête. Alléluia. Nous n'avons aucun autre projet derrière la tête. C'est pourquoi nous nous donnons à fond. On ne se donne pas de repos. Alléluia. Parce que le temps est fini. Et au moment où nous nous semons, d'autres vont passer derrière pour arracher. Il faut qu'à un moment,
qu'on vous dise attention. Ton nom est écrit dans le registre de Jésus revient au ciel. Alléluia. Chaque église a son registre. C'est comme ça. Si on t'appelle le jour-là et tu es absent, qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alléluia. Donc voilà un peu ce que je tiens vraiment à partager avec vous. Le Seigneur n'a pas fini ce qu'il a commencé. Nous avons encore beaucoup de choses devant nous. Le Seigneur veut que nous révélons les choses petit à petit. Parce que quand on révèle, on présente trop là. L'ennemi vole, il vole ça. Le diable est un grand tricheur. Il vole ça. Pour remettre ça à un faux mouvement. Non, il veut qu'on coupe un peu. La vision, c'est trop ici. Alléluia, c'est trop ici. Chaque jour même, le Seigneur envoie encore de nouvelles choses. Et vous allez voir. Vous allez voir des grandes choses que le Seigneur prépare pour nous. Chacun aura sa grâce. Chacun aura sa grâce. La marche dans la sainteté, le Seigneur me dit, ça ne sera pas un fardeau pour aucun de ses brebis. Mais beaucoup vont, tous ces brebis même vont marcher dans la sainteté avec plaisir, avec joie. Et non avec peine. Et non avec fardeau. Et non avec joug. Mais avec joie. On va sentir même le plaisir de marcher avec le Seigneur. Parce qu'il est notre sécurité. Quand nous sommes avec lui, nos âmes se sentent en sécurité. Alléluia. Pour les combats spirituels, criez encore avec lui. Si ça vous dépasse, les serviteurs sont là. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Tu peux être passé déjà par la délivrance, mais tu as constaté que tu reçois encore des attaques. Ça peut arriver. Parce qu'il y a des petites ouvertures. Il suffit même qu'une petite colère monte en toi. Tu peux commencer par recevoir des attaques. Tu vas encore dans la présence du Seigneur. Ou tu vas voir les serviteurs de Dieu. Ils vont te faire encore passer au scanner. C'est ça. C'est l'Esprit de Jésus qui fait le travail. Ton peuple de Dieu, voilà ce que j'aimerais vraiment partager avec vous en ce moment glorieux, ce moment merveilleux que le Seigneur nous a permis de vivre en 10 jours et que nous sommes en train de voir les fruits. Vraiment, je suis tellement édifié et je sais que chacun de vous est édifié.